Bonjour à vous, mes chers amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ben, ici, nous sommes samedi. Et vous remarquez sûrement, vous avez deviné, je suis à ma petite maison de ville ici, parce que j'avais des choses très importantes à faire, des priorités. Donc voilà. Ici, il fait pas froid, pas la grande chaleur non plus. Voilà. On va se mettre là, peut-être. Je me mets un petit peu sur la terrasse. Voilà. Moi, j'attends les amis, bien sûr, qui vont arriver d'un moment à l'autre. Et voilà. Demain, quand on va dans notre abbaye, voilà, pour la journée. Donc un autre marché aux fleurs. Oh, ça fera du bien. Ça change les idées aussi, hein, c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est le programme pour demain. Et après, bien sûr. Ah, ici, je suis à ma petite maison de ville depuis mercredi. Hein, je suis reparti en train parce que j'avais des priorités, comme je venais de le dire. Des choses à faire très importantes. Alors voilà, il faut bien les faire. Hein. Il y a des choses à faire, ça me gêne un terme. J'espère que vous allez bien, vous, mes chers amis. Moi, ça va, bien sûr. Et voilà, la semaine prochaine, ils annoncent de la chaleur. Donc, il faut que je vais aussi arroser ici. J'avais tout bien arrosé mercredi, quand même, avant de partir. Mais là, c'est pas encore suffisant. Hein. Il faut que, là, il est temps que je retourne, bien sûr, à la campagne pour arroser les arbres, les arbustes et puis les plantes vivaces. Voilà. Avant que n'arrive la grande chaleur. Moi, je pensais être en short là, mais bon, c'est un peu frais encore ici. Donc, bon, je suis resté en jean. Et oui. Sinon, bah voilà. Je voulais faire juste une petite vidéo comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais pas le temps de faire d'autres vidéos et tout. Hein. J'ai déjà préparé à l'avance, bien sûr, les vidéos du petit sous-bois, la suite, donc en trois parties, comme je vous l'ai dit. Voilà, comme je vous l'ai dit. Et je repars donc demain, ouais, demain, dans en début de soirée, hein, à la campagne. Bon, ici, il n'y a pas grand chose. Dépêche, alors que mes amis vont pas tarder à arriver. Donc, oui, bon. Ici, donc, c'est la terrasse aussi qui est en construction, hein, bien sûr, ici. Quelques vis-à-vis, mais bon, c'est pas très grave. Oui, à moi. Bon, c'est pas bien grave. Bon, si je suis plus souvent à la campagne, alors. Même si moi, parce que là, c'est pas fini. Mais sinon, je me mettrai, ça me dérange pas. Oh, j'ai laissé quand même ici, des bambous. Voilà, des boutures que j'avais fait. Il y a deux troènes. Ici, regardez comment ça a bien poussé, mais je vais ramener de l'engrais de là-bas, de la campagne. On a encore beaucoup d'engrais. C'est incroyable les tiges qu'ils donnent. Ah, celui-là, c'est mon préféré de tous. Et ici, c'est un champ de patates qu'ils vont faire aussi, propriétaire. Il y a labouré la terre pour mettre du gazon, mais bon,
On dirait un saut de patate. Voilà. Admirable, à boire rouge. En hiver, il est remarquable. Et en automne, il prend de belles teintes. L'automne. Voilà. Ici, je m'enfonce dans la tête. J'en profite là qu'à personne, justement, pour faire une vidéo. Les propriétaires sont pas là. Apparemment, je les avais déjà vus. Des fois, c'est fermé, mais on pense qu'il y a personne, mais ils sont là. Et je pense qu'il avait dit qu'il partait pour la journée, il me semblait, hier. Enfin bon, voilà. Là, comme ça, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je ne pensais pas du tout. Hein. Je me suis dit, allez hop, je vais faire une petite vidéo. Vitesse, comme ça. Et voilà, une façon, moi, de vous dire petit bonjour aussi. Oh ben. Boire à la bouteille, en plus, j'ai un verre. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On se retrouvera bien sûr, quant à nous, à la campagne. Lundi, mardi, mercredi, je serai à la campagne. Et je retournerai en train de retour mercredi prochain. Voilà, mercredi en fin d'après-midi. Là, je ne vais pas être plus long, mes chers amis. Je vous souhaite bien sûr de passer un très très bon week-end. Un très bon week-end. C'est un peu plus long, aujourd'hui. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de vent, c'est le principal. Vous voyez, c'est des érables. Là. Et celui-ci. Voilà, c'est ma petite terrasse ici. À ma petite maison de ville. Voilà, bon, ça va, il y a. Je vois une femme qui balaye son balcon. Je ne sais pas si on va aller derrière. Là, voyons, il y a une femme. Elle balaye son balcon. Elle ne me voit pas, mais moi je la vois. C'est vrai, il y a quand même des arbres qui cachent un peu. Il n'y avait même pas cet arbre avant. Il a grandi. Depuis qu'il y a plus de boulot, il y a un boulot, un grand boulot géant, qui s'était déraciné avec une tempête. Si, mais a tombé de l'autre côté, alors il aurait tout cassé le mur. Il a peut-être cassé ma petite maison. Non, mais c'est dangereux, les arbres, des fois. Voilà. Ben voilà, mes chers amis. Déjà 8 minutes que j'étais avec vous. J'espère que ma petite vidéo vous aura fait plaisir. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire avant de terminer? C'est vrai, comme je vous avais dit, bon, ça me fait toujours plaisir, bien sûr, quand vous venez me rendre une petite visite et quand vous me mettez un petit pouce, bien sûr, ça me fait très très plaisir. Hein. Mais c'est vrai que ici, j'avais marqué moi sur une vidéo avec le petit sous-bois, il n'y avait pas beaucoup de messages et donc ça me décourage un petit peu. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte, hein, mais c'est quand même beaucoup de travail et tout. Et bien sûr, ça encourage. Et vos petits messages, c'est vrai, on n'est pas obligé, mais bon, c'est toujours important pour moi, hein, même pour les personnes qui publient comme moi des vidéos, tout ça. Ben, et j'aime bien aussi un petit message et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous répondrai aussi. Voilà. Donc, je tenais à le dire. C'est vrai que je n'avais pas vu ces derniers jours. Certains ont la flemme de mettre un petit message. Mais croyez-moi que moi, ça me fait beaucoup plaisir et ça m'encourage beaucoup
à continuer. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre un gentil petit message et ça me fera énormément plaisir. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end et n'oubliez pas votre pouce. C'est très important, mes chers amis. Allez, surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve, bien sûr, à la campagne avec Capucin. Au revoir.